Mesdames et messieurs les représentants des départements, chers jeunes, chères jeunesse, hein, c'est pour moi l'été brûlante, un sujet que les étudiantes qui ont suivi le cycle de formation de la campagne des droits et des plaidoyers ont choisi, la PALV, l'autorité de la parité et d'égalité. Je tiens à remercier le MEPI qui a financé ce projet, qui finance la campagne de plaidoyer des droits des femmes à Rabat, Casa, à Marrakech. Et je tiens à remercier également le GE qui a accepté d'accueillir et de loger ce grand événement. Je remercie également les autres partenaires de l'HEM, l'IHEM, l'IMBT, l'Université Mohamed V. Les 20 étudiantes qui ont été sélectionnées sont issues de ces écoles, de ces universités. Ce sont les partenaires de Joussour et du MEPI dans ce projet. Il y a un deuxième projet qui est actuellement aussi, qui a été déposé par la ministre au niveau de la Commission des droits de l'homme et de la justice. C'est le texte 103.14. 103.14, c'est le texte qui est relatif à la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Et c'est le même combat qu'on va encore entamer, parce que c'est aussi un texte qui est complètement vidé de son sens. Et on a l'impression que cette ministre, elle nous ramène en arrière, et que tous les acquis que nous avons eus grâce aujourd'hui à la Constitution et grâce aux revendications et au mémorandum du mouvement féminin, aujourd'hui on revient en arrière et la question des droits des femmes au Maroc est en danger actuellement. 79-14 relatif à la création de l'autorité pour la parité et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Et je suis heureuse d'entendre leur position quant à l'égalité, la discrimination ou encore la parité et comment leur regard s'applique sur les débats actuels qui refont face, hein, comme la parité, comme par exemple l'équité en matière d'héritage ou encore des comportements discriminants et humiliants envers des Africains subsahariens. Donc sans m'attarder plus, j'aimerais au nom de l'EGE vous féliciter et vous encourager à continuer de vous engager dans de telles initiatives et activités.